tu es à Clan, c'est un bon signe. Celui qui est né sous ce signe, ou celui qui est allé consulter le Fa, ou celui qui a fait les rituels du Fa au nom de ce signe, doivent noter certaines choses que nous allons expliquer. Tu es à Clan, c'est un très bon signe. Mais celui qui est incarné par ce signe ne doit jamais avoir pour ami un homme d'un clair, de taille courte, un peu mince. C'est-à-dire l'homme qui a la taille ou bien le physique de l'écureuil. Celui qui est sous ce signe ne doit jamais se marier à une femme, excusez-moi le terme, une femme deuxième main. C'est-à-dire une femme qui a déjà fait deux enfants ailleurs ou bien un enfant ailleurs qui quitte sous le toit d'un autre homme. Celui qui est sous ce signe ne doit jamais récupérer une telle femme. Prendre une telle femme, c'est signer sa propre mort. Si celui qui est sous ce signe prend une telle femme, là, ses problèmes commencent jusqu'à il finit mal. Donc, on interdit à ce signe-là, à celui qui a le signe qui est à Clan, de prendre une femme qui a déjà d'enfants ailleurs. Cela ne veut pas dire que nous sommes en train d'interdire à tout le monde de se marier ou bien de se remarier. Non. La femme peut faire 5 enfants ailleurs. Lorsque vous êtes amoureux l'un de l'autre, vous consultez le Fa, vous faites votre vision, c'est bon, vous prenez. Il y a même des femmes qui ont déjà fait des enfants ailleurs et comprend et ça va encore plus que celles qui n'ont pas d'enfants. Donc, mais ce signe-là interdit ça. Si vous avez ce signe et que vous tombez sur une femme comme ça, il ne faut jamais la marier, il ne faut jamais la prendre. Lorsque nous sommes du signe Tché à Clan, nous allons savoir que la divinité première qui incarne ce signe, c'est la divinité Lissa. Quand on parle de Lissa, c'est la mère de toutes les divinités. C'est la force qui gouverne le jour et la nuit. C'est le soleil et la lune. C'est le Lissa qui est la mère de Gou et de Khébioso. Vous voyez? Donc, on fait, il y a des rituels sur ça. Et lorsque ce rituel est fait, celui qui est sous ce signe, il devient riche. Quand je parle de richesse, ce n'est pas 10 milliards ou bien acheter des bateaux, non. Mais il sera aisé. Il aura le minimum dont il a besoin pour bien vivre. Vous voyez, celui qui est incarné par le signe Tché à Clan doit savoir que les jumeaux sont ses forces. Il y a des rituels qu'on fait dans le sens des jumeaux. Celui qui a ce signe doit savoir qu'il est incarné par la force de la terre, Sakpata. Celui qui a le signe Tché à Clan doit beaucoup faire attention. Il ne va pas se montrer partout, ah c'est moi, non, non, non. Lorsqu'il est quelque part, sa parole vient à la dernière minute. Il ne prend pas la parole premièrement. Il se calme, il se temporise, il se maîtrise, il fait l'exercice de maîtrise de soi. Ses paroles ne sont pas n'importe comment, ne sortent pas n'importe comment. Donc, celui qui est sous ce signe doit beaucoup faire attention. Et ça a de rituels qu'on fait. Celui qui est sous ce signe ne doit pas chercher femme d'autrui. C'est comme ça, si quelqu'un cherche sa femme, la personne meurt et la femme aussi meurt. Il y a des rituels, si on veut sauver la femme, on fait pour sauver la femme. Mais celui qui a cherché la femme ne peut plus vivre parce que ça dit à deux buffles ne peut pas boire dans la même marmite, dans le même canari, ça va se casser. Le canari qui va se casser là, c'est la femme. Dans le rituel on fait, on casse tout. Le second qui va mourir là, c'est le second Agbo buffle. Vous voyez, donc c'est dans ce signe là. Celui qui a ce signe, il y a un rituel, si on ne lui fait pas, il va connaître des pertes d'enfants, enfants morts-nés. Ces enfants vont mourir devant lui. Parce que ce signe dit, ces enfants sont dans le canari, dans la marmite. La marmite, c'est à faire quoi? À préparer. Donc si tes enfants sont dans la marmite, ça veut dire que la sorcellerie va préparer tes enfants et bouffer. Il faut enlever ces enfants de la marmite et ces enfants seront sauves. Et il ne va plus avoir, il ne va plus perdre ses enfants. Donc celui qui a ce signe doit savoir que s'il ne paie pas ses enfants tôt, il sera vivant et les enfants qu'il a mis au monde vont commencer par mourir devant lui. Donc ça, c'est un rituel. On fait et on enlève la vie, le destin de ses enfants de la marmite sur la TFM. Et dans des figues, là, il ne va plus perdre ses enfants. Donc chaque signe énonce le problème et la solution en même temps. Donc, Tché à Clan, c'est un très bon signe. C'est sous ce signe, on dit
Mandagba moulele, merole, non, loi, au tia, quand, mandagba moulele, ça veut dire, celui qui a ce signe ne doit jamais négliger sa mère. Si vous êtes du signe tia, quand, et vous négligez votre mère, ça veut dire que vous êtes foutu. J'avais dit au début que c'est la divinité Lisa, qui est la première divinité sur le signe, c'est faux. C'est votre mère qui est la première divinité qu'il faut adorer sur le signe là. Qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte. Vous prenez sa photo et vous mettez votre bougie devant sa photo. Vous demandez ce que vous voulez. Vous allez avoir ça, son rituel. Donc celui qui a ce signe là, il ne doit jamais avoir pour ennemi sa mère. Il doit entretenir sa maman. Il doit faire tout ce qui est possible et rend heureux sa maman. Même si sa maman n'est plus là, sa tombe doit être propre. À tout moment, il doit faire ses prières. Mais sa maman, si il prend soin de sa maman, la vie lui sera toujours bonne. Donc, c'est un très bon signe. Et voici les rituels qu'il faut faire et les conduites à tenir pour une vie meilleure et saine. Le Fa n'est pas une divinité, n'est pas un fétiche. Le Fa, c'est, comment dire, c'est une science. Lorsque vous êtes né un homme debout, en matière et spirituel. Votre signe de Fa est ce qui est tracé dans votre main. Vous êtes né avec. C'est ce que vous avez demandé. C'est votre ADN. Et chacun est né avec son ADN. Et lorsque vous prenez votre signe comme ça, on sait ce que vous êtes du cheveu jusqu'aux orteils. Votre passé, votre présent et votre futur. Et c'est à base de ça qu'on peut régler vos problèmes pour que vous n'ayez pas à rencontrer de situations difficiles. Donc, je suis président du groupe Savoir Endogène du Bénin. On m'appelle Da Afimadou. Nous sommes à Copa Carrefour le Bélier. Nous sommes un peu partout au Bénin. Pour d'autres renseignements, vous nous contactez et nous sommes à votre disposition. Soyez bénis.